Bonjour. Alors c'est vrai que on a beaucoup rigolé sur les gilets jaunes. Mais je voulais te dire, voilà, chers Français, chères Françaises, qu'il y a des gens qui se sont battus et qui ont subi des atteintes physiques de la part de l'État français. Antonin, Thomas, Guy, Dorgana, David, Mehdi, Philippe, Jean-Marc, qui a perdu son œil à Bordeaux, Jérôme aussi, qui a perdu son œil, Gabriel, qui a eu la main arrachée, Antoine, qui a eu la main arrachée, Frédéric à Bordeaux, Patrick à Paris, voilà, Lola qui a plus de dents, qui était blessée à Biarritz. Là, on paraît pas, mais elle s'est pris un flashball. Elle a plus de dents. Elle a 17 ans. Vanessa. Voilà. Blessée à Paris. Regardez. Regardez. C'est pas scandaleux, ça? Et Constant. Blessé à Mondeville. Voilà, les amis. Dorgana. Sur la bouche et sur les yeux. Et Alexandre qui était borné à Paris. Voilà, donc. Puis tout, j'ai pas cité tout le monde, Rami. Voyez, Antoine, tout ça, c'est affligeant. Philippe, qui a perdu sa rate à Nantes. Voilà. Donc aujourd'hui, Issam aussi, pardon. Elle était borné, elle a perdu son œil. À Gargues, les Gonesses. Voilà. Et désolé si j'ai oublié du monde, mais. Et on attend d'autres, tant d'autres. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. C'est pas terrible ce matin, mais bon, ça fait partie du quotidien des gilets jaunes. Il y a de forts risques quand il y a une manifestation. Donc c'est hallucinant. Voilà. Donc le courage aujourd'hui, c'est sûr qu'on l'a toujours. On est dans un état, regardez là, et Eyan, main arrachée. Comment c'est possible? Voilà, aujourd'hui on est dans un état policier, état répressif. Donc courage à tous ceux qui sont à l'hôpital. Si vous avez des possibilités, si vous connaissez ces gens, bah, n'hésitez pas à aller les voir, les visiter. C'est de la souffrance. Voilà, pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, mais regardez, ça fait 5, 3 fois, donc ça fait 5 fois 5, 25, ça fait 25 blessés. Il y a eu une dizaine de morts. Officiellement, je pense que, officieusement, c'est plus, officiellement, c'est 10. Et il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que eux, il y en a plein d'autres. Il y en a des centaines de blessés. Voilà. Je vous en supplie. Faites partager cette vidéo à l'ensemble de la planète, à vos amis à l'étranger. Dites-leur, merci Macron. Voilà, merci Macron. C'est de sa faute. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous ceux et celles qui sont à l'étranger, qui peuvent relayer cette information. Faites tourner, s'il vous plaît, cette vidéo un maximum. Voilà, je vous remercie.